Le ministère prend des décisions, par exemple, comment ou quand ouvrir et fermer les pêches, quel quota de prise imposer, quelle taille de poisson autoriser pour la pêche, après avoir examiné les conseils scientifiques et d'autres sources d'informations. Par conséquent, la décision est la dernière étape du processus des données à la décision. Les avis scientifiques ne sont qu'un seul élément du casse-tête qui appuie la prise de décision fondée sur des données probantes et les pêches durables. Nous soumettons les conseils à des groupes qui dépendent de nos océans, comme les communautés autochtones, les membres de l'industrie de la pêche, les organisations non gouvernementales dans le domaine environnemental et les collectivités côtières. Nous recueillons l'ensemble de ces renseignements année après année afin de pouvoir prendre des décisions éclairées par les meilleurs et les plus récents conseils disponibles. De cette façon, nous sommes en mesure de protéger et de gérer de façon durable nos pêches pour les générations à venir.